Et donc là, on peut y aller. Il faut s'exercer un petit peu, je pense. Bon, ma licorne est tombée. Et bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jeux avec moi, jeux pour enfants. Et donc aujourd'hui, j'ai quelque chose de super cool. C'est Handycorn. Qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, vous le voyez, hein, c'est une licorne pour les mains. Donc c'est super rigolo. Sachi MXP qui fait ça. Donc c'est pour les enfants à partir de 4 ans. Que j'ai regardé ça de manière d'un peu plus. Donc c'est parti. Donc on ouvre tout ça. Et du coup, on a les différentes pièces. Donc ça c'est rigolo. À quoi? Donc on a. Tout est dans une. Dans un petit paquet en plastique. Alors, une licorne pour les mains, donc ça c'est assez. Ok, donc vraiment, bon, au niveau de la tête, on a vraiment une tête de cheval, hein, avec la licorne. Et puis, voilà, la bouche est ouverte. Donc on a la corne aussi, donc voilà à quoi elle ressemble, hein. Donc ça fonctionne très bien. Donc bien sûr, on a les quatre pattes avec quatre, enfin les quatre sabots. Donc alors regardons si, enfin lesquels, est-ce qu'il y en a spécifiques qui sont pour la, enfin les pattes arrière ou les pattes avant. Bon, on peut de toute façon essayer parce que je pense qu'ils sont à peu près similaires. Après, pour les des doigts d'enfant, c'est peut-être un petit peu grand. Mais bon, je pense que vu que c'est en caoutchouc, ça devrait coller un petit peu, ça devrait passer. Ok, donc un pied là, un pied. Là, voilà. Et là, et on peut y aller. Ouais, je pense qu'il faut s'exercer un petit peu. Ma licorne est tombée. Donc on réessaie. Un peu d'exercice avec les quatre pattes. Et la tête, il faut qu'elle soit quand même levée. Allô, touk 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 touk. En tout cas, c'est super rigolo. Bon. Donc vraiment, il y a de quoi bien rigoler avec tout ça. Ça pourrait être aussi un article de farce à trappe, hein, parce qu'on pourrait faire des petites blagues sympas avec ça, je pense. Faire des petites surprises. Et embêter un peu tout le monde, ça peut être chouette. Eh oui! Voilà, donc vous pouvez bien sûr écrire des commentaires, hein, me dire ce que vous pensez de cette petite licorne rigolote. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo et on se dit à très vite. Salut!